tu vas voir. Vaut mieux que tu ailles fort pour monter et pas trop pour descendre. Mais tu vas vite voir. Je m'en fais pas. T'es prêt? Vas-y, c'est parti. No, God, please, no, no! Bon, bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Lucas et on est revenu là, au spot de vol de pente. Mais ce coup-là, il pleut pas et il y a juste une brise. Et aujourd'hui, pourquoi Lucas est là? Il va pas faire le caméraman, tout simplement, il va découvrir le planeur RC. T'as jamais piloté, hein? Non. Jamais. Voilà la bait sur laquelle il va apprendre à voler. Donc un petit deux axes avec beaucoup de dièdre, un S300 et puis deux cerveaux. Normalement, ça devrait marcher. J'ai quand même pris de la cyano au cas où, hein. Si jamais il y a besoin de recoller les morceaux. Bon, on va aller s'installer et puis je vais lui expliquer comment ça marche. Tu vois, on va faire comme Elon Musk avec ses fusées là. Tu vois, le décollage nickel, l'atterrissage un peu moins. Donc, alors la radio, je la décroche, le temps de t'expliquer. Alors la dame, elle parle déjà. Ça fait technologique, hein, ça impressionne. Mais donc, monter, descendre, droite, gauche. Ok. Je leur explique. Je le charrie un petit peu, je vous le dis au cas où. Il n'y a rien de... Je taquine. Hein. Monter, descendre. Ça, on évite de le faire trop quand même parce que il y a la gravité qui tire avec. Ah, il n'y a pas beaucoup d'arbres, on est large. Ouais, et bah tu vois, c'est celui-là où j'ai tapé le planeur l'autre fois. J'ai failli mettre ma petite aile dans ceux-là. Enfin bref, quelques-uns des arbres ici ont déjà vu du déperon et du polystyrène voler. Donc voilà, de toute façon, je vais faire voler le planeur en premier pour m'assurer que tout va bien. Parce que je l'ai fait, enfin je l'ai remis en route tout à l'heure. Hop, on va mettre le bon programme. Donc il fait 80 cm d'envergure, 50 grammes je crois, un truc comme ça. Et donc là, tu fais pas le con Jean-Pierre. Et ça fly biloute. Voilà. C'est à peu près con comme ça. Tu vois? Ça va le faire. Et après, tu vas arriver à faire ça. Mais pas de pression. D'accord? Je le règle pour qu'il aille bien droit, bien à plat. Et que t'es limite qu'à toucher la direction, tu vois. Voilà, là c'est parfait. Et il est auto-démerdant le truc. Regarde-moi ça. Là, je touche qu'à la direction. Et là, tu vois, hop, il pique un peu du nez. Hop, hop, je le remets à plat. Pour tourner, tu peux y aller normalement. Ça devrait aller tranquille. Bon, ben voilà. Mon petit Lulu, t'as les conditions juste idéales pour faire les premiers vols de ta vie. De ta life. De ta life, mon pote. Regarde, tu vas faire des petits passages comme ça, là. Et ça, tu vois pourquoi il faut éviter de mettre le vent dans le cul. Si tu passes vent arrière, il n'y a plus rien. Allez, tiens. Hop. Donc, viens avec moi. Alors, vas-y, comment on monte? Voilà. Droite. Gauche. Descendre. Voilà. C'est si con que ça. De toute façon, au pire, on va passer une heure à le décrocher dans un arbre. Juste, okay. Oublie pas, tu peux y aller relativement fort sur la direction pour que ça tourne. Là, oui. Mais là, pas trop. Tu vas voir. Vaut mieux que tu ailles fort pour monter et pas trop pour descendre. Mais tu vas vite voir. Je m'en fais pas. T'es prêt? Vas-y, c'est parti. Alors, si tu vois qu'il part dans un sens, n'hésite pas à compenser. En fait, là, j'essaie de le faire monter, mais du coup, je l'ai pas mis dans le bon sens. J'ai dit, il n'y a quasiment rien à toucher pour monter et descendre. T'essayes juste de le garder à plat pour l'instant. Okay. Tu l'emmènes en fait comme ça et tu fais des S tout tranquille. Ok, on est reparti. Ça, ça fait des vues. Allez, on est reparti. Voilà, tu peux y aller vas-y doucement. Fais des tout petits ordres. Voilà, tourne à droite doucement. Lâche. Voilà, monte doucement. Parfait, ça. Oups. Tire, 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 tire. Bien sauvé. Ça, on s'en fout, ça tient. Donc, c'est pas plus fort que ça. Tu peux le faire 100 fois, il tiendra. C'était pas mal déjà là. Il y a eu une amélioration. Ça fait 10 secondes au lieu de 2 secondes. Ah, c'est magnifique. Donc là, ce que je veux, c'est très simple. Tu donnes des petits coups. Le but, c'est que tu le laisses quasiment voler tout seul. Gauche, du coup. En fait,
faut maintenir. Toi, tu maintiens. C'est pas, tu fais ah bah un oui, coup et t'attends. Parce que moi, je fais... oui, okay. Voilà, tu faisais le gamer. Ah. Ça, c'est un truc, tu vois. Je suis pas un prof parfait, je t'ai pas expliqué comme il faut. Non, non, tu mais... tu okay. maintiens des choses. Bah oui, parce que sinon, tu s'arrête en plein milieu. Voilà, en fait, parce que si tu fais un orbe, bah il fait ça. Bah, il reste comme ça. Alors, si tu veux faire un virage, tu maintiens. Ok, ok. C'est bon ? La troisième, c'est la bonne ? Allez, tu nous finis la batterie, t'as une heure d'autonomie à peu près. Eh bah Lulu, quand tu vas montrer ça à tes parents. Eh ça pour draguer les meufs. Bon, je te rassure, ça marche pas. C'est cool, merci. J'en hop, besoin. Droite, droite à fond. Hop, voilà, parfait. Gauche un petit peu. Et tu le remets à plat. C'est beau ça. Eh bah, pour quelqu'un qui a jamais piloté de sa vie avant, pas dégueu, hein. Pas dégueu ça. C'est bien le planeur ? C'est pas mal, c'est pas mal. Faut être doux. Hein. C'est ça, tout en douceur. T'as vite pigé le truc quand même, hein. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé à enregistrer. 10 minutes. En 10 minutes, t'as passé de je ne sais pas piloter du tout à maintenant tu fais tes S tout seul. Et tu l'as pas encore mis dans un arbre. Alors j'ai bien dit pas encore. Parce que on sait jamais, vaut mieux pas parler trop vite. Mais là c'est très bien. J'ai rien à dire, c'est très très bien. Hop, droite à fond. Voilà, bien sauvé. Allez, viens là, Kiki. Parce que vu que c'est quand même du polystyrène tout fin. Oui. Pour éviter de le déchirer. Et c'est ça qui est un peu chaud. Le problème, allez, viens là. Les arbres sont pleins de fil. C'est pris dans un fil, voilà. Et tu vois l'avantage avec une machine comme ça, c'est que bah, déjà il arrive à 10 à l'heure. Alors, tu as fait exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as cabré, tu as tiré à fond pour le ralentir. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est. J'essaie de faire monter juste parfait. Mais en fait, t'as fait exactement ce que je t'ai dit qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire passer vent de dos. Et du coup, il a et du coup, bah, t'as vu, il accélère. Il a vite, et il est beaucoup moins maîtrisable. Tu vas aller chercher les lunettes ? Je te file la clé. Elles sont juste devant le. Eh bah oui, quand vous faites du planeur, portez des lunettes de soleil. C'est pas pour rien que j'en porte tout le temps. Parce que même là, si c'est un temps nuageux, bah à force de regarder le ciel, ça fatigue les yeux. Et c'est pas très bon pour les yeux non plus. Donc du coup, il allait chercher des lunettes de soleil dans la voiture et après il va reprendre ses vols. Mais franchement, il a jamais piloté avant. C'est la première fois qu'il pilote un planeur et là il vient de faire un vol de au moins 3 ou 4 minutes. Donc c'est très impressionnant. Franchement, Lucas, si tu regardes ça, je te l'ai pas encore dit en face, mais tu te débrouilles super bien, bravo. Et maintenant, ce que je vais faire un petit coup de micromax parce que les conditions sont quand même parfaites. Là, il n'y a pas trop de vent, c'est juste pile poil pour le faire voler sans ballast. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Lucas qui s'amuse. Moi aussi je vais m'amuser un petit coup. Là, il y a un peu plus de vent, ça s'est un peu levé, donc ça devient un petit peu plus compliqué à faire voler, mais c'est là que c'est intéressant. Voilà, bien corrigé, hop, laisse-le à plat, tourne pas trop, bordel, tourne pas trop. Il est où là? Voilà, hop là, parfait, c'est bien rattrapé ça. Allez, comme tout à l'heure, les allers-retours, là on a pas loin de 10 en rafale, je dirais, 10 km/h. Ha ha ha!
Te déconcentre pas. Fais des plans cinématiques. J'ai jamais été autant concentré pour un petit bout de plastique. C'est pas du plastique, c'est du polystyrène. Oh la vache. Attends, regarde, moi je vais le faire planter, regarde. Vas-y, reste concentré. Arrête, tu vas y aller. Reste concentré. Ah bah non, il est toujours bien, planeur. Pas de problème. Gardez-moi ça. Est-ce possible d'apprendre à piloter un planeur en peu de temps? C'est ça. Ou un très bon prof. Moi je pencherais plus pour l'élève, hein, mais perso, le prof, on sait tous ce qu'il veut. Hein. De guignol à la pente. Wouhou, il s'est rattrapé. Il a fait des bêtises. Il a décroché, premier décrochage. Enfin non, c'est pas le premier, le dernier était dans un arbre. Il y en a eu qu'un. Il y en a eu qu'un pour l'instant. Allez, tu pousses un petit peu, tu prends de la vitesse, face au vent. Mets-toi bien face au vent, donc un peu plus à gauche. Tu vas pousser, tu pousses un peu pour qu'il pique à 30 degrés. Donc tu gardes un peu poussé. Vas-y, pousse, encore. Et maintenant tire à fond et tu le regardes tirer. Yes, pooping. Longtemps. T'as fait du vol acrobatique. T'es un fou. Le fifou des Carpates. Comme ça qu'on l'appelle au pays. Allez, vas-y, refais un looping. Là, je l'ai bien cadré. Attends, je le fais là. Ouais, t'es large. Wow. Parfait ça. Il se sent plus. Et en général, c'est à ces moments-là qu'on les plante. Ouais, ça va pas trop mal. Allez, t'essayes de faire des beaux allers-retours, là, tu t'éclates. Vas-y, éclate-toi. Bon, après un quart d'heure de vol non-stop, maintenant, re à moi de m'amuser un petit coup. On va sortir le P-51 qui a fait son seul vol ici, en fait. La seule session où il a volé, bah, tout simplement, c'était ici. Donc, deuxième session avec le P-51, on va voir ce que ça donne, puisque là, les conditions ont l'air vraiment bonnes. Lucas, il s'est vraiment bien amusé aussi avec le petit truc. Donc, voilà, c'est reparti. C'est parti. Youhou ! Mesdames et messieurs, nous voici pour un vol de première classe à bord du Petit Zébulon. Et hop, le petit Zébulon. Oh là là, le trick shot du joueur français. C'était pas le meilleur truc du monde. Mais faut avouer, ça fait son effet. Le petit Zébulon se lance dans les rocheuses de Moncou City. Si d'un coup j'ai une voix aiguë, vous savez que j'ai loupé. Hein? Il a fait un zoom sur les corbeaux qui font chier la buse là-bas. Alors, passons le petit Zébulon, observons les trois petits oiseaux sur le côté là-bas. Regardez-moi ces petits points noirs dans le ciel. Le conducteur du petit Zébulon. Mais franchement, tu ferais bon youtubeur, hein, tu devrais monter une chaîne. Hein. Par contre, c'est la merde. Donc, je vais venir poser. Le revoilà. Arrivée du Zébulon en gare de Moncou. Félicitations. Un pontage. Bon, alors Lulu. Non, je vais pas t'appeler comme ça en vidéo quoi. Alors Kiki. Alors Kiki. C'était comment le planeur? Ça je vais y laisser. Putain, je vais me mettre comme ça. Allez, bon Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui avais jamais piloté avant? Non mais en vrai c'est pas trop mal. Faut être très doux avec les commandes, parce que j'ai pas l'habitude, mais il est bien allé, on a fait 11 minutes et quelques, il volait bien, il n'y avait pas beaucoup de vent, ça s'est plutôt pas trop mal passé, un petit raté dans les arbres quand même, parce que c'est mon baptême, mais sinon ça va. Ouais, bah ça, faut apprendre, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pour ça que j'ai fait ce genre de planeur là, pour apprendre. Et tu m'as impressionné, je l'ai dit quand t'étais pas là en fait, c'est beau. Je l'ai fait exprès, je l'ai dit quand t'étais pas là, mais... Tu m'as vachement impressionné parce que, enfin, je te l'ai dit quand tu étais en vol, je m'attendais à ce qu'on fasse 10 minutes, que je vole un petit coup en micromax
parce que t'aurais planté le planeur. Bon. Et puis après qu'on rentre. Mais au final, ça fait bientôt 2 heures qu'on est là. Le planeur est encore en parfait état. Je pense que tu t'es bien éclaté aussi. Ah ouais. Et que demander de plus? Bon, avoir un peu de soleil et puis pas porter deux vestes, ça aurait été pas mal. Mais voilà. Bon petit truc, puis surtout, on a bien déconné. Je pense qu'il va falloir que je bippe des trucs ou alors que... Quelques petites conneries. Va y avoir du montage. Je peux vous le dire, il y a des trucs qui ont été coupés au montage parce que c'était pas sortable sur YouTube. Je vous le dis. Mais c'est ça qui fait une bonne vidéo aussi. C'est de bien déconner et puis c'est ça qui manque dans la plupart de mes vidéos, je le sais. Donc voilà. Bref, c'était vraiment bien sympa. Une bonne après-midi pente comme on les aime. Nickel. Un nouvel initié, je pense que je vais te ramener de temps en temps si t'as envie. Mec, et plaisir. Puis, prochaine fois, on fait voler un 4 mètres, quoi. Ouais. Peut-être un 4-4. Tu vois, il y a une bonne pente. Allez, faire voler un 4-4, allez. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et bah tiens, vas-y, fais-le, abonnez-vous et tout. Alors, je vous conseille de vous abonner, de lâcher un petit like sur le côté de votre vidéo. Et puis voilà, à très vite pour de nouvelles aventures de Lulu et Zébulon. À la prochaine, ciao.